plein d'émotions. Ah, les deux soient loués. Je profiterai de cet auditoire pour remercier vraiment en particulier Maman Deborah. Je viens de très loin. Alléluia. Amen. Et je sais que vous m'avez vraiment porté dans vos âmes. Si je suis devant vous, c'est la grâce vivante. Mais le chemin est encore long. Je sais que celui qui a commencé cette œuvre à moi, celui qui m'a appelé dans son admirable amour, le Dieu fidèle est là. Alléluia. Amen. Le Créateur. Yes. Qui n'a ni ombre ni variation de choses. Amen. Ce qu'il dit, scellé par son esprit, Amen. Est éternel. Yes. Tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc, moutouté. Personne. Yes. Que ça vienne à gauche. Alléluia. Amen. Parce que la pierre là où je me suis tenu, la pierre angulaire, yes. qui a été rejetée, bafouée même de l'église. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu maintenant est en train de restaurer, Amen. De réparer. Yes. Alléluia. Amen. De rétablir les choses. Amen. Parce que le moment est là. Yes. Il vient bientôt. Ouais. C'est grand Jésus. Yes. Le précieux, yes. l'admirable, yes. celui qui redonne la valeur. Alléluia. De là où on t'a rejeté, ouais. Alléluia. Amen. Il t'élève, hein? Il t'enlève de la médiocrité. Yes. Est-ce que vous voyez? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il aime yes. ça. Yes. Il aime ça. Yes. Quand t'es bafou, yes. quand t'es jeté, yes. afin que lui maintenant te ramasse. Amen. Afin que les gens disent. Cette œuvre vient vraiment de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour sa gloire. Amen. Nous sommes des lettres écrites. Amen. Une bibliothèque marchante. Amen. Pourquoi quand je marche, c'est avec fierté. Amen. Parce que je porte à moi. Alléluia. Alléluia. Ce que le monde ne pouvait pas me donner. Amen. Ce que le monde ne pouvait pas faire. Amen. Si je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que ma mère a beau t'envahir. C'est parce que les grands yeux. Yeah. Alléluia. Alléluia. C'est parce que les grands yeux. Amen. Vous voyez? On parle de renouvellement, Amen. D'établissement. Mm. C'est-à-dire, ce n'est plus les Yedidiala qui s'appelait Machozi. Mm. Vous comprenez Machozi, c'est quoi? Mm. Qui comprend Machozi? Mm. C'est-à-dire, Mayamiso. Mm. Alléluia. Mm. Celui qui pleurait tout le temps. Je ne suis plus celle-là, mais je suis, Alléluia. Mm. Celui que Dieu a pris à ramasser là où on l'a enterré. Parce que je vis la mort. Mm. J'ai senti la mort. Mm. Je sais comment combattre la mort. Mm. Je sais comment les gens meurent. Mm. Je sais comment l'âme part. Mm. Je sais comment l'esprit revient. Mm. Je sais comment Jésus fait. Mm. Je sais comment Jésus ramasse. Mm. Je sais comment il fait sortir de la tombe. Bien-aimé, alléluia. Mm. Il est vivant. Yes. Il est merveilleux, notre Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il mérite les acclamations. Amen. Je l'aime vraiment. Amen. Je l'aime. Attends mon corps. Mm. Bien-aimé, alléluia. Amen. Dans toute mon âme, dans mon esprit, parce que c'est lui qui m'a régénéré, c'est lui qui m'a renouvelé, c'est lui qui m'a restauré, c'est lui qui m'a libéré, parce qu'il est mon créateur. Amen. Alléluia. Amen. Non pas à cause de moi. Je sais que vous avez tous prié pour moi, mais que cela ne soit pas seulement pour moi. Alléluia. Amen. Parce qu'on est là. Alléluia. Amen. Voici une complémentaire. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis vrai. C'est le chemin. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Femme renouvelée. Nouvelle création. Quand Dieu parle de la nouvelle création, c'est-à-dire qu'il t'a pris quelque part. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux avancer? Amen. Si c'est là, t'es... Alléluia. Amen. J'ai la réponse d'une personne ce soir. Amen. Même si ce n'est pas deux personnes. Mais si c'est vraiment toi, tu peux t'élever et dire, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là pour réconcilier le monde avec Dieu. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire. Amen. Avec le sang du pardon. Amen. 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 Ramener les gens. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est merveilleux, notre Seigneur. Amen. Nous allons étudier, bien-aimés, bien que ce n'est pas un thème qu'on peut prêcher comme ça. Mais c'est un thème qu'on peut faire même deux, trois semaines de séminaire. Ah oui. Parce qu'il faut continuer. Il faut y aller.
Parce que dans le renouvellement, c'est-à-dire dans le royaume, tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu viens du royaume. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu comprends ce que je dis? Yes. Tu viens du royaume, mais tu vis sur la terre. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui t'a façonné. C'est Dieu lui-même qui t'a recréé. Il y a les éléments. C'est-à-dire ça a commencé quelque part, ça s'est arrêté quelque part, et il a recommencé. Mais lui étant le créateur, il a tout ce qu'il faut. Bien aimé, alléluia. Amen. Je ne parle plus de la personne que le monde a connue avant. Mais je parle de la personne de Dieu lui-même. Bien aimé, amen. On te voit passer, comme maman Vivi, mais en toi, ce n'est plus toi. Amen. Alléluia. Amen. Je peux t'appeler femme Christ. C'est-à-dire en toi, le dépôt de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Il nous a créé dans son image. C'est lui-même. C'est sa pensée sublime. Yeah.
ciel sait tout. Dieu sait tout. Écoutez-moi très bien. Ton Père, le Créateur, là où il y a adoration sur la terre. Mais pourquoi, pour que nous nous soyons aujourd'hui ici, il sait tout pendant 30 minutes. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Il a tout stoppé. Alléluia. Il a tout stoppé. Alléluia. Pour organiser, pour agencer, pour coordonner, pour que toi tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le louer? Non, tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. S'il y avait des formes de révélation, amen, tu allais rouler par terre. Amen. Parce que ce Dieu-là, qui vit dans les adorations. Dis un peu notre royaume. Notre royaume. Ah, dis avec fierté. Notre royaume.
savez, j'ai toujours rappelé à Satan, attention parce que quand notre royaume sera établi sur la terre, alléluia, toi tu ne seras plus là. Mais je demanderai au moins la permission à mon Seigneur. Laisse-moi aller un peu en enfer, hein? Regardez un peu ce que Satan fait. Et je lui dirai, coucou, où en sommes-nous maintenant? Alléluia. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des femmes de révélation ici? Amen. C'est vous qui allez me camo la poêle. Alléluia. Amen. Restez tranquillement si je descends. Amen. Si vous me faites monter, nous montons au ciel. Amen. Ça dépend de vous. Alléluia. Amen. Amen. Dans notre royaume, il y a des termes qui nous doivent être familiers. C'est-à-dire, tu écoutes ça, tu réponds ça. Mais ce n'est pas du blabla. Mm. Le vrai, le Dieu que nous prêchons, il est vrai plus que nous le croyons. Amen. Il n'est pas loin. Il est en moi. Il est en moi. Alléluia. Amen. Alors, il y a des choses, les œuvres que Dieu a accomplies dans ta vie, que tu dois répondre sans réfléchir. Mm-hmm. Tu dois répondre même si tu n'as pas la Bible. Hein? Comme grâce. La grâce. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Alléluia. Amen. Tu sais là où la grâce t'a pris? Alléluia. Amen. Comme la grâce, la justification. Vieil homme, nouvel homme, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le salut. Est-ce que tu sais par où le salut a commencé? Alléluia. Amen. Par où le salut t'a pris? Parce que la Bible déclare la grâce de Dieu, source de notre salut. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Si tu ne comprends pas le salut, je vais me poumouler. Mais et au l'école du colo. Alléluia. Amen. Parce qu'une femme. Une femme renouvelée qui ne connaît pas le salut, c'est quoi? Demande un peu à celui qui est à côté de toi. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est quoi? Pose encore la question. Ça t'a pris où? Ça t'a pris où? Et ça t'amène où? Et ça t'amène où? Alléluia! Amen. Des mots comme rédemption, justification, héritage. Bien-aimé, alléluia. Amen. Révélation, science. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que la Bible dit, j'aime pas dire la Bible. Je dis, Dieu déclare. Amen. C'est Dieu. Amen. Que le Dieu de votre salut, Amen. Le Dieu de toutes grâces, Amen. Vous donne l'esprit de sagesse Amen. Et de l'intelligence. Amen. Dans la révélation. Parce que c'est la connaissance révélée qui produit les miracles. Amen. Qui délivre. C'est pourquoi la Bible déclare, tu connaîtras. Tu connaîtras. Connaître, ce n'est pas qu'à Oyemi. Non, tu connaîtras. C'est-à-dire, tu dois communier avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois communier avec la parole. Amen. C'est-à-dire, connaître. Hein? Alléluia. Vous savez, quand je me suis converti, je ne comprenais pas bien les termes. Bon, j'avais dans ma tête, je me disais, tel que je vois mon pasteur là, il y a d'autres choses dans la vie qu'il ne fait plus. Mais ça m'étonnait que sa femme, chaque année, hein, il accouchait, il faisait des enfants. Je me dis, ah ben ça y est, donc le pasteur aussi est fort. Bien aimé, alléluia. Amen. Alors j'ai vite conclu que la semence de mon pasteur était puissante. Alléluia. Amen. Donc chaque fois, la femme doit, quand elle sème, ça doit produire. Bien aimé. La parole que tu écoutes, la parole de Dieu, est une semence. Amen. Amen. Ah, amen. Est-ce que tu as compris? Amen. 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 Quand ça vient dans ta vie, Amen. Ça doit produire. Amen. 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 La Bible dit la parole de la vérité, Amen. Qui est l'évangile de votre salut. Amen. Tu dois comprendre d'où vient le salut. Qu'est-ce que le salut me donne? Bien-aimé, c'est dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Bien-aimé, alléluia. Amen. L'église, loin d'être musiquée. Mais l'église, c'est là où nous venons pour être équipés. Amen. Équipés. C'est-à-dire qu'on te donne, on te fournit les bagages qu'il faut. Yes. Alors ça te prend là où tu étais. Yes. Bien-aimé, tu ne peux pas être à l'église du Dieu vivant. Ah. Où le Saint-Esprit est opérationnel. Yes. Et que tu demeures la même personne. Yes. Sans le... Yes. Sans le... Yes. Sans le... Yes.
fait de toi une nouvelle création. Mais comment est-ce que Dieu a opéré? Parce que dans ton esprit, nous avons esprit, âme et corps. Yes. Alors, esprit, âme et corps. Tu vois comment je fais? L'esprit est dans l'âme. L'âme est dans le corps. Qui est au fond? L'âme. Qui est au fond? L'âme. Je dis ceci. Parce que la parole de Dieu déclare que le Dieu de toutes les grâces, dans son admirable amour, alléluia, amen, il fera en sorte que ton esprit, ton âme, ton corps soit irréprochable. Yeah. C'est-à-dire, Dieu te donne son esprit, alléluia, qui lui ressemble, parce que ce qui nous fait ressembler à Dieu, c'est notre esprit. Yes. Et c'est ça qui fait de nous des héritiers. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie. Quand je dis communier, à Balio. Abalio, de Balani, de Adima, à Tikalondega. Non, alléluia. Si ce n'est pas fait dans ta vie, revois ta conversion. Amen. Parce que c'est là le problème. Amen. La conversion, c'est dans l'esprit. Yes. Quand là-bas, dans l'esprit, ce n'est pas renouvelé, c'est-à-dire le vieil homme n'est pas décapité. Amen. Et que maintenant, le Saint-Esprit prend les éléments. Yes. Que je continue. Amen. Alléluia. Amen. Qui est au fond? L'esprit. C'est l'esprit qui nous fait ressembler à Dieu. Amen. 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 Il a dit, créons l'homme d'abord à notre image. Ensuite, à notre ressemblance. Il y a l'image et il y a ressemblance. Vous savez tout ça, on parle de la justice de Dieu. Quand tu comprends, alléluia. Amen. Permettez-moi ça, mes corps. Hein. C'est terrible. Je me demande pourquoi il y en a pas. Bien-aimé, alléluia. Amen. Ce sont des choses, je dis, tu dois arriver à expliquer, même dans ton inconscience. On te réveille, on te donne. Rédemption, c'est quoi? Tu commences à parler, sans doute. Bien-aimé, alléluia. Amen. Parce que c'est ta vie. Yes. Amen. Dis un peu, c'est ta vie de tous les jours. Oui. C'est ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que la rédemption t'a amené? Romains 6, 4, 6, 7, on parle du vieil homme. Là où on nous parle maintenant, qui a trouvé? Colossiens 3, 10. On a parlé du vieil homme, dans Colossiens, on parle de nouvel homme, renouvelé. Alléluia! Renouvelé. Qui a trouvé? Tu peux s'élever pour nous lire. Colossiens 3:10, nous lisons donc. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dont la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore une fois. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Tu viens d'où? Du vieil homme. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Continue. Qui se renouvelle? Qui se renouvelle? Dans la connaissance. Dans la... Alléluia. Amen. Amen, amen. Applaudis un peu pour toi-même parce que tu as la connaissance. Pourquoi tu dois applaudir? Parce que Dieu dit, mon peuple périt par des connaissances. Si tu n'as pas de connaissances, tu vas faire avec maman Déborah 10 ans. Un petit démon qui vient la nuit. Une mouche qui vient. Alléluia. Alors que Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir sur la création. Amen. Alléluia. La création soupire. Elle attend. La création même se justifie en disant, celui qui m'a écaboté, écaboté. Vous comprenez ça? Celui qui a banni la gloire. Celui qui a fait en sorte que tu sois dans les ténèbres. Il a fait de même avec moi.
C'est-à-dire la gloire que j'avais. Par sa grâce. Manifestée en Jésus-Christ. Au moyen de la foi. Par le Saint-Esprit. Quand la grâce vient, Dieu lui-même traite ses problèmes. Commençant dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Amen. Ah, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Quand tu le connais, olingé à ton été. Olingé à toi dans la crise. Amen. Parce que quand tu vois la grandeur de cette œuvre, qu'on appelle la grâce, par où ça commence. Bien-aimé, alléluia. Amen. Même quand tu étais ignorant. Mais la grâce était déjà là. Amen. La grâce est cherchée. Amen. Oh, oh, oh. Hey, alléluia. Hey, hey. Alléluia. Hey. La grâce. La grâce est partie alléluia. Au bas. Je vois une fille de Dieu ici. Alléluia. Hey. La grâce. Bien aimé, alléluia. Mais quand la grâce te rencontre, il te dit voilà. Ce que tu es en train de suivre. Ton père avait déjà traité ça. Yes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. C'est-à-dire, dans la grâce, le péché, la malédiction du péché est ôtée. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'homme ancien, l'homme satanique, qui t'a mené partout, mais tu étais sans défense. Oh. Ah, alléluia. Il est vivant. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il y a la sainteté. Non, non. Il a fallu d'abord que le sang vienne. Oh Jésus. Alléluia. Le sang. C'est pourquoi tu dois comprendre. Par la grâce, Dieu a offert son fils. Dans la rédemption, le fils s'est sacrifié. Amen. Qui est là? J'avance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, moi, Déborah, faisons attention. L'Église a été beaucoup sabotée. On a piétiné la science de Dieu. C'est pourquoi les idolâtres ont régné. Et maintenant, le pouvoir a changé de camp. Amen. Et... Amen. 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 Il faut que toute la gloire de la vie, non? Amen. Je déclare. Amen. Invisible. Visible, domination, principauté, yes. Dignité, autorité ont été faites pour lui. Bam! Amen! 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 Amen. Oh. Bien aimé! Je ne dirais pas une personne, une femme. Parce que quand je dis une femme, je suis obligé de te ramener dans une autre dimension. Mais je veux que nous parlions un peu terre à terre. Amen! Des choses faciles. Si ça, tu ne comprends pas, c'est-à-dire comprendre que tout le temps que tu as passé dans le christianisme, avec une femme, il me dit, maman, pasteur, mon problème, je ne comprends pas vraiment le salut, là, c'est quoi? J'ai dit, voilà. J'ai dit, bon, tu as posé la question à ton pasteur. Il a dit, bon, on m'explique, mais je ne sais pas. Il y a des choses, il faut qu'à te l'entendre, alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu comprends le salut qui est dans la grâce, même tous les sorciers du monde s'associent à un petit nom de Jésus. Bien-aimé, amen. Amen. Parce que l'homme intérieur a grandi. Yes. L'homme intérieur, c'est quoi? Tu dois comprendre. La différence homme intérieur et âme. Bien aimé, alléluia. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, ça doit couler, couler. Quand on dit homme intérieur, tu comprends déjà. Oh, c'est ça. Là, nous avançons. Mais, regarde ce qu'on fait. Quand il s'agit de moto, allez, quand il écoute, moto. Vous savez, il y a des choses. Tu dis que le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de feu. Le Saint-Esprit a l'amour. Quand tu fais ça, tu sais que les diables connaissent la parole que c'est. Yes. Tout ce qu'il a organisé là, il a minutieusement regardé le plan de Dieu. Il a ôté l'esprit de foi, il a ôté l'esprit de Dieu, il a mis son esprit. Mais quand tu comprends comment est-ce que l'opération spirituelle, comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne, est-ce que je suis là pour quelqu'un, c'est ça? Amen.
Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Là où tombe, qui sont les moulins. Amen. Et quand on a internet. Ah, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Zoa Bible. La, Dieu dit, entre dans ta chambre. Amen. Ce n'est pas la chambre caméra, non. C'est-à-dire, entre en toi-même. Amen. Ferme tes oreilles. Amen. Ferme ce que la Bible, tu as écouté. Amen. Et tu as beaucoup écouté Maman Déborah. Tu dis ce que Maman Déborah fait. Alors, je vais regarder dans les Écritures. Amen. Comment ça se passe? Amen. Mets un peu le temps de nourrir ton homme intérieur. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je le fais. Je demande un peu à celui qui est à côté de toi. Ça fait combien de temps que je suis chrétien? Ma mousse depuis à votre mari. Ça fait combien de temps, dis-lui? Non, dis-lui, réponds. Ça fait combien? C'est depuis quand? Quand? C'est depuis 1999. Hein? Ça fait combien? 18 ans? Ah, voilà. Alléluia! Amen. Il est vivant! Il est ressuscité! Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi c'est depuis ma naissance. Ah bon? Je suis chrétien depuis ma naissance. J'ai dit au pasteur et puis responsable de maman. Je dis, écoute, écoute, écoute. Bien aimé, alléluia. Amen. Ton Dieu est plus vrai que jamais. Il n'est pas dehors. Il est dedans. Dieu n'a pas deux esprits. Il a un seul esprit. Et le même esprit qui a dit, faisons, quand Dieu a déclaré, toi tu n'étais pas là. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Dieu lui-même s'est arrangé. Il a trouvé un processus, une organisation, un agencement de choses. Bien-aimé, un après l'autre. Afin que l'esprit qu'il a, son esprit, vienne habiter. Oh, Sylvie Sako. Amen. Alléluia. Et par là, tu entres dans les standards de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous faisons des espoirs. Mais tout est possible à celui. Amen. C'est avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle vie qui est en toi? Alléluia, ma fille. Alléluia. La vie de Dieu qui est en toi. Quand tu fais sortir. Parce qu'il n'y a rien que Satan a peur. C'est cette parole-là qui t'a décrit. Mais tu dois voir la révélation. Amen. C'est pourquoi Paul va plus loin en disant que notre Père, le Dieu de toutes les grâces, vous donne. Alors, pour se réveiller. Alléluia. Amen. Naotalo. Amen. Amen. Au Balkanaron. Tokekuna. Alléluia, amen. C'était, qu'est-ce que tu as reçu? Oh, c'était bien. Qu'est-ce que ça a mené de plus? Alléluia. Amen. Vous savez, cette vie-là, ce n'est pas l'église. L'église, nous venons pour être équipés. Mais nous devions opérer des rôles. Amen. Alors, quand les gens viennent à l'église, tu modères, tu fais quoi? Tu dis, c'est ça ton salaire, c'est ça que toi tu veux. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alors que, bien-aimé, amen. Amen. Avec l'esprit de celui qui t'a créé. Là, je suis dans Romains 8. Si c'est pas encore fini, vous prenez pas ce sang de rose. C'est fini. Alléluia. Amen. Dis-moi un peu parce qu'on n'est pas beaucoup. Qui peut nous lire ça? C'est très beau le texte. Romains 8, 9. On pouvait aller jusqu'à 14, mais on n'a pas le temps.
verset 14. Disons notre. 8-9. Eh, ma fille, attends un peu. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole? Amen. Vous ne saviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Hein? Oui, vas-y. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Recommence. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Non, recommence le verset. Pour vous, vous ne savez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit là? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que Dieu a beaucoup d'esprit? Non. Est-ce que tu comprends c'est quoi l'Esprit de Dieu? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu est opérationnel? Et quand est-ce que l'Esprit de Christ? Alléluia. C'est comme le sang de Jésus. Il y a le sang du pardon, le sang du rachat, le sang de la rédemption. Mais c'est le même sang. Alléluia. Amen. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose a son rôle et sa fonction. Amen. Alors, quand tu ne sais pas, l'ordre était, ça t'a des regards. Makelele. Alléluia. Amen. Tu vas gêner 40 jours. Le même problème va demeurer. Amen. Alors que Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Amen. La grâce. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans la grâce. Excusez-moi, si c'est clair, tu me dis. Attends, 5 minutes. Ok. Alléluia. Amen. Ça me dérange. Bien-aimé, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu a un rendez-vous ce soir pour toi. Amen. Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Une femme renouvelée, Amen. Puisque tu es une nouvelle femme, hein? Bien-aimé, alléluia, Amen. Dieu habite en toi, Amen. L'Esprit de Christ habite en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, Amen. Le Saint-Esprit est en toi, Amen. L'Esprit de la création est en toi, Amen. L'Esprit de Jésus est en toi, Amen. L'Esprit de la rédemption est en toi, bien-aimé, alléluia, il est vivant, yes. La création attend, elle soupire, alléluia, Amen. Qu'est-ce que la création? Moi aussi. Alléluia. Amen. Je soupire. Je souffre. Quand tu me vois comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on m'a créé. Amen. C'est lui qui t'a fait comme ça. C'est lui qui t'a ôté entre les mains de ton père. Il a fait de même avec moi. Mais c'est toi qui as la révélation. Bien-aimé, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand la création dit que je soupire, alléluia. Amen. Les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Mmh. Oh. Amen. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire en toi, tu as quelque chose à donner. Amen. Tu as quelque chose à enfanter. Amen. Dans ta génération. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois enfanter. Quoi? C'est pourquoi je disais. Tu ne peux pas communier avec le Saint-Esprit et rester la même. Parce que à vous contacter, peut abîmer, peut attirer les unités. Alléluia. Bon oiseau tala, au bout comme connu. C'est-à-dire la grossesse que tu as, la douleur d'enfantement, c'est la destinée de ta famille. Amen. La destinée spirituelle de ta famille. Bien aimé, alléluia. Amen. Mais moi, ça m'étonne. Il y a des gens, depuis qu'il a reçu Christ, il fait sa famille. C'est à l'église. À l'église qu'il y a beaucoup de sorciers. Amen. Alors que Dieu t'a choisi. Yes. Alléluia. Amen. Il t'a martelé. Yes. Du Saint-Esprit. Yes. Et il t'a engrossé. Yes. C'est toi qui as la destinée spirituelle. Yes. Yes. On est dans yes. Toi tu fuis. Non, venga barol souté. On a dans d'autres balles. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alors que Dieu t'a choisi, il t'a équipé. C'est pourquoi tu viens à l'église. Parce qu'en toi, il a mis la destinée de ce quartier.
tu m'as menti. Je comprends. Amen. Maintenant, je reviens. Amen. Équipé. Amen. Du nouvel homme. Amen. Renouvelé. Amen. Selon Dieu. Amen. J'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, alléluia. Amen. J'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Christ est en moi. Amen. Je suis libre. Amen. Je viens vers toi. Amen. Bien-aimé, alléluia. Soko bimaki na kubanga. Zonge la ya face. Amen. Parce que tu dois te réjouir de ces choses. Bien-aimé, alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je porte la destinée spirituelle de ma famille. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas demandé de combattre. Parce que dans la grâce, tant que tu n'as pas de grâce, tu as une chance. Ça dit une dame, ça dit chance. Obundite. Abundisi ye moko. Atali yo. Alobi makambo eza na kati na ye. Eza na mouye te. Ye moko a ye. La Bible dit, je rends grâce à Dieu. Yes. C'est qui m'a délivré de la puissance. Amen. 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 Et m'a transporté. C'est-à-dire au vandi. Na kati na Saint-Esprit. Ye moko azuyo. A l'ongole moutoumabewa. A même yon sikon. O salakini. La Bible dit m'a transporté. Et m'a investi. Dans le royaume de son fils. Amen. Ils sont bien aimés. En qui j'ai la rédemption. Amen. Le pardon des péchés. Et je suis justifié. Mais si tu ne comprends pas ça, tu peux parler à langue. D'abord, je me demande, tu parles à langue. Quand le Saint-Esprit vient, il amène ta feuille de route. Tout. C'est-à-dire, le message, la vision, la mission, la place, les quartiers, l'intelligence, la sagesse. Pour que cette destinée naisse. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en faisant le protocole. Amen. Alléluia. Amen. L'église. Bien aimé, nous venons pour contempler. Amen. Mais tu dois opérer. Yes. Dans ta famille. Amen. Dans ton quartier. Amen. Dans ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous faisons fonction d'ambassadeur. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le message de la réconciliation. Amen. Que Christ a accompli. Amen. Il y a que Christ. Abraham a fait, et c'était pour les rachats. Amen. Mais Christ est venu. Amen. Verset 6.
2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6. Nous lisons au nom de Jésus. À cet heure. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Dans la Bible de l'Obi. Bon, car nous en avons, moto oyo, apprend à kamoke. Akuka kamoke. Alléluia. Moto oya konaka mingi, akuka kamingi. Verset 7. Ebongi moto na moto, akaba ndenge, akanisaki, asala yango, na motema, mawate, pote, batindi ye, na makasi. Pamba tenzambe, alingaka moto oyo, akabela kayene sengo. Alléluia. Bien aimé, Bible la ramoka yobi. Toyoki biso nyoso. Moto akona ramoki abukaka. Soki okona kapriyera okuka pe. Alléluia. Amen. Soki okona kamingi bien aimé okuka pe mingi. Amen. Tozomona ba mama mususu na banda kusoto to ya ni bapa. Mtu bakanga ka moto eh. Parce que niko kamate. Celui-là qui nous a déplacés de l'Allemagne, alléluia. Amen.